président public là, Jovenel Moïse, qui est avec première dame non, Martine Moïse, rencontré vendredi 26 janvier par François dans le Vatican. Chef l'État a précisé, rencontre li avec Pape François, c'est preuve renforcement liens amitiés qui existait entre Haïti et Vatican. Président Jovenel Moïse a exprimé satisfaction après échange li matin avec chef l'Église catholique là sur développement Haïti avec relation pays à accès siège là. L'autre information dans le journal ça, vice-président Sénat Pierre-François Zildor confirmé toute commission permanente déjà formée dans le cadre de séance plénière bureau Sénat déjà réalisée. Il y a trois nouveaux commissions spéciales qui formées, commission bicamérale d'échange, commission sous amendement, règlement intérieur. Sénateur Zildor dit nouveau bureau a continué pour le travail pour rendre Sénat plus dynamique. Passé Jean Théier pendant l'année 2017 là. Une vidéo suit un extrait dans le micro Fédéna Confident avec Moïse Ulbrich. Bon conseil qui fait mardi pour former commission, différentes commissions, les commissions permanentes et les commissions spéciales selon les règlements intérieurs du Sénat de la République. Donc les 13 commissions permanentes là formées et dans trois commissions spéciales qui déjà formées. Donc dernière commission spéciale qui est la commission de décharge. Et Deschaga, c'est hier de former seulement. Et le compte généreux Deschaga, c'est lui-même qui va le permettre ou sanctionner gestion d'abord Sénat, en même temps gestion ensemble des ministres et des directeurs généraux qui baillent servir la fonction publique. Donc, c'est la commission, ça, la dernière commission à former hier après-midi. Il y a une commission spéciale Deschaga, il y a une commission spéciale sur réforme règlement intérieur et réforme constitutionnelle. D'après l'article 204 règlement intérieur, la commission spéciale ça décharge, compte généreux décharge, il doit réfuter la proposition du Sénat de la République. Or, pas grand empile bloc qui est inscrit dans le Sénat, mais nous connaissons un bloc PHTK allié qui bloque majoritaire. Là. Nous avons appris quitter la tout, c'est environ 5 sénateurs, mais nous avons quitté là-dedans. Et le dernier monde qui est en date, c'est le sénateur Jean-Marie Salomon Junior qui quittait après, bien prêté. Et même si parce qu'officiellement au Sénat, nous connaissons une opposition, un bloc d'opposition. Donc, c'est constitué une commission spéciale ça, au niveau du Sénat de la République qui a présenté 6 membres et la Chambre des députés 9 pour faire 15 membres de la commission spéciale ça. Là-dedans, il y a 4 sénateurs qui représentent la majorité. Hein. Il y a 11 sénateurs qui représentent 100 plans appris. Et grand sénateur évalue vos plans qui sont censés être opposition. Donc, nous avons un sénateur Dieudonné Lima Etienne, nous avons un sénateur Rony Célestin, nous avons un sénateur François Denius, nous avons un sénateur Kedler Augustin pour majorité. Hein. Nous avons évalué vos plans pour opposition et nous avons Ronald Larèche qui a pris. C'est ça qui a pour la commission, la partie maintenant concernée Sénat. Et nous attendons que le champ député a. Désigner maintenant 9 députés qui pour former commission bicamérale, ça, commission des comptes généraux et des charges. Commission éducation Sénat, je t'ai parlé jeudi 25 janvier 2018 là, avec ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre-Josué Agénor Cadet. Problème toute qualité système éducatif là fait face et dans le temps discussion yo. Sénateur Niplan Denis Cadet qui c'est président commission a annoncé yon l'autre rencontre avec ministre Cadet, ministre financement Patrick Salomon pour 8 février prochain dans l'idée pour discuter sous problème enseignant yo. Yon extrait toujours dans micro Fedna Confident avec Moïse Ulrich. Ensemble nous parler, nous discuter sous problème Sugo, problème Brunec, problème lettre de nomination que en pile enseignants dans l'école nationale, dans le lycée Apton, nous aborder également question qui liée à arriéré de salaire, nous fixer une séance de travail que nous avons fait ici en Parlement avec ministre de l'Éducation nationale, là, ministre financement, premier ministre. Séance de travail, ça nous avons fait jeudi 8 février pour nous garder côté problème nous posé. Parce que à chaque intervention ministre, et le redit là encore dans la rencontre que nous avons là, presque
dette li te gen pour enseignant yo presque dette ça au fin épongé. Mais il arrive que jusqu'à présent gen de enseignants qui gen lettre nan men yo qui poko touché ensemble avec lui n'a pas regardé avec ministre finance là avec premier ministre là qui bon problème nan yé pour nous capable résoudre problème nan incessamment nous garder avec lui tout sous question en pile l'école qui délabré et nous gain garantie que dans certains départements gain en pile marché qui gain en lancé pour permettre que nous river reconstruire ou bien construire l'école qui délabré. N'a avancé ensemble avec ministre là en tant que président de la commission éducation pour que année 2017-2018 problème qui gagne dans le système là, particulièrement la question de nomination des enseignants, la question d'arriéré de salaire pour certains enseignants, problème qui gagne dans les facapio, ensemble nous travaillons pour nous capables de résoudre le problème là. Toujours sous même dossier, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Aginor Cadet, expliqué depuis l'arrivée dans tête ministère, il a déjà régularisé la situation plusieurs enseignants qui n'ont pas nommé ou sinon qui n'ont pas touché. Le ministre Cadet reconnaît qu'il y a diverses autres enseignants qui travaillent qui peuvent rejoindre les nominations. Dans ce sens, il y a des démarches qui sont déjà faites pour résoudre le problème. Ça. Nous invitons à suivre un extrait dans la déclaration. Question paiement. En seigneur psugo pronet moun ki gen lettre nan mais pas touché professeur qui est dans salle de classe qui a tant lettre nomination yo qui réponse nous pote a ou même nous bay comme réponse que pour année 14-15 pronet psugo qui sont dettes publiques sont bagay qui nan même ministère des finances et nous déjà écrit ministère des finances pour payer dette ça qui c'est une dette publique j'aime se dire là. Pour année 15-16, plus de 85% enseignants, gardiens, ménagers et autres sont touchés. Nous disons dans tout le pays, actuellement, c'est seulement plus de 300 qui sont touchés dans le projet PSUGO. C'est parce que justement, il y a un problème de contrat qui est posé pour eux. Et aujourd'hui, nous avons pour parler avec coup de compte pour nous reconstituer le contrat pour nous avoir touché. Il y a des gens qui ont la domination. Qui te doit toucher longtemps déjà. Depuis notre budget rectificatif là, l'agence a été là pour le toucher. Malheureusement, il y a plusieurs dans le pour toucher. Et nous dit tout, hier nous avons passé dans le ministère de la Finance, notamment le directeur de l'institution nationale de la Finance, côté loin que il y a 257 dans le qui a touché dans moi ça. Mais son question de lenteur administrative, nous dit nous même tout dans le ministère, dès que le problème est posé, nous rapidement dresser dossier nous voyons aller qu'on peut aller question nomination enseignant eh bien il y a plusieurs milliers enseignants qui trouveront dans salle de classe sans lettre nomination bien que c'est pas l'état qui retient dans salle de classe mais il y a quand même il y a comme des victimes et nous mêmes en tant que ministre enseignant de carrière aussi nous prenons engagement pour tout nommer et pendant ma parole à là il y a plus passé 2000 lettres qui ont déjà signé, voyé, acheminé par OMRH, la primature, pour être capable de joindre l'approbation du Premier ministre. Donc, qui donc, nous devons tête nous comme délai pour finir ce mois de janvier, ça, pour tout le monde qui est dans la salle de classe, qui peut nommer, mais qui qualifié pour nommer. Et nous avons plus passé un mois depuis le ministère de l'Éducation nationale. Nous mettons campé deux cellules d'urgence. Dans le niveau ressources humaines, qui a préparé les tuyaux. Et pendant que je parle à là, il y a plus de 80% de les tuyaux déjà faits, les tuyaux déjà signés, pas moi-même, mais les fins signés. Étant donné que faut que nous ayons approbation au premier ministre, nous devons voir les tuyaux dans la primature pour approbation. Il y a une équipe de photocopie, non, avec dans la Tibonite. Nous avons une direction de la là pour juste montrer aux enseignants. Que le processus ça en branle, l'avancée, pas un bluff, son réalité liée, mais nous dit tout.
une fois que nous finissons de résoudre le problème, ça, nous mettons tout le monde qui a gagné l'aide sur la salle de classe qui qualifie. Pour ça, pas reproduire encore dans l'État, pour nous ne pas gagner droit à rentrer dans la salle de classe, toutes les fois que vous parlez de l'État, parce que l'autorité nominative de l'État, n'importe qui ne peut pas rentrer dans la salle de classe, Jean-Pibito, sans l'État, pas dire à la dedans. Processus choix cours pour première session année académique 2018 là a commencé dans la faculté sciences humaines. Jean Conseil, coordination faculté a été prévoit là. Processus là a été déroulé en présence à Jean Simo dans l'espace faculté a. Une équipe télévision nationale a fait déplacement. Nous invitons à suivre un reportage au Dlinouet. À côté quelques agents sécurité université l'État, un camion agent Simo était présent dans la cour faculté sciences humaines pendant étudiant a fait choix cours. Même si présence de la police dans l'espace là correspond à la résolution 27 décembre 2017, Conseil Université a été pris concernant l'intervention de la police dans la faculté qui est en crise, ça n'a pas empêché membres communauté fâche là divisée sous présence agence Simo. Si j'étais chef aujourd'hui encore à la faculté, eh bien bon, ici, tu as bien une caserne. Caserne d'abord là. Parce que pas normal, quelques individus font tout au pot. Ou disons une population d'étudiants, ok, ça qui a été fait mémoire, ça qui a été fait maîtrise, ça qui a été fini doctorat, mais ils ont obligé de ne pas suivre et de ravir l'école. Quand je fais choix pour moi, là, j'ai policé, ça a bonne inquiétude, moi aussi, parce que par rapport avec un acte de violence qui était qu'on a posé dans l'espace à nos périodes, étudiants métiers, menacés étudiants, dire petit wow, négat vini, donc étudiants pour une position, négat, tirer coup sur étudiants, venir à l'autre monde dehors. Vini pour agresser les étudiants, bon, c'est que, ça veut dire, nous arrivons dans l'espace, côté que même professeur a sorti une note, dit au passant, il est en sécurité. Côté étudiant, il vient à bouteille, tirer, fait professeur courir. Étudiant, a pris un téléphone, mais professeur tirer, pour frapper à tête, dit professeur. Ça veut dire, nous arrivons dans un stade, côté que, il était une limite qui était arrivée, nous avons franchi que, qui méritait des réponses. Inviolabilité espace universitaire, c'est une après fondamentale discussion étudiant concernant la présence de la police dans l'espace là. Jean-Ederson Jean-Pierre, représentant étudiant Fachio dans le conseil universitaire, a pas argumenté. En accord avec les responsables de l'université, la police est capable d'intervenir. Donc, dans le cas ça, depuis ce demande, les dirigeants de l'université, la police est intervenue. Ou pas qu'à dire, l'espace là violé. Et la présence d'agents aujourd'hui, c'est le résultat d'une résolution du conseil universitaire, qui est la plus haute instance de l'UEH, depuis la date 27 décembre 2017, qui demandait la présence policière dans la faculté d'ethnologie et faculté des sciences humaines. Toute démarche télévision nationale, bon côté dirigeant Fachio, pour jouer l'information sous présence de la police dans l'espace là, pas de résultat. Une équipe télévision nationale d'Haïti parlait jeudi 25 janvier avec plusieurs élèves dans le lycée Anténor Firmin à Collège Vision Caribéenne sous date 28 janvier qui s'est faite Saint-Thomas d'Aquin, patron philosophio. D'après Lévio, Joussa, c'est une occasion pour intellectuels réfléchir sous ensemble problème pays d'Haïti a fait face. Nous invitons à suivre un reportage. Dans l'idée pour marquer date 28 janvier qui a venu là, qui s'est fait philosophe, série discussion, conférence, débat, toute qualité déjà commencé dans plusieurs écoles dans le pays, dans le temps élèves classe terminale. Constat, pas département dans le lycée Antenor Firmin à Collège Vision Caraïbéenne. La philosophie nous dit que c'est une réflexion critique et une réflexion critique sur des problèmes fondamentaux. Nous avons dit, alors qui donc est un philosophe et n'apprend philosophe, les philosophes de l'Antiquité, un philosophe supposé qui a une idée sur toute bagaille net. C'est ça la philosophie. C'est un peu le bagaille que fait ça y est pour nous. Et c'est une façon tout pour mettre nous-mêmes qui arrivons dans la classe terminale en valeur. C'est un grand fait, c'est un grand jeu que lié pour nous. Dans l'occasion, élèves ont souhaité l'État haïtien prendre bon genre de disposition pour permettre candidats qui réussissent dans l'examen baccalauréat de rentrer dans la faculté. Élèves souhaité tout autorité concernée créer un emploi dans la population pour empêcher petit pays à partir à chercher la vie l'autre bord de l'eau. La meilleure chose à faire, c'est mettre à disposition, c'est ouvrir des portes d'université pour Simon Sayo. Depuis qu'il a fini l'école, pour t'as toujours nos côtés pour aller apprendre un bagage. Si l'État haïtien t'a créé un emploi dans le pays, t'a créé comme si des mesures pour jeunes qui ont fini l'école, c'est pas dans l'autre pays pour aller. Si t'as arrêté dans le pays pour travailler, aller dans l'université, pour aider le pays, pour utiliser le pays pour avancer, moi ce pays nous avons développé, nous avons l'autre Haïti, on l'autre Haïti demain et nous croyons un changement et nous croyons que tout le bagage va aller mieux pour nous. Bon côté Payo, élève classe terminale dans le Collège Vision Caraïbéenne a organisé une activité dimanche 28 janvier.
yon manière pour clôturer série discussion yo. Merci Rodney d'Orléans ak Hervé Pierre. L'autre nouvelle, groupe 6 communes qui fin créé dit au constaté jusqu'à présent Liancourt, Barpiste, Moru, Marfran, Fondéblanc ak la Pointe a fonctionné toujours comme section communale malgré gagnon arrêté qui était sorti qui placé yo dans niveau commune. Jean-Guy Berchol ak apôtre Élisée Blaise qui t'a attiré attention autorité concernée yo sous problème ça souhaité application arrêté a. L'invite au suivi un extrait. Et nous avons 6 communes qui ont 2 ans depuis exister. Mais communes ça yo existé seulement sur papier. Yo pas administré. Donc présence l'état là-dedans ou pas existé. Et commune ça va fonctionner jusqu'à maintenant en rang section communale. Et dans 2 ans ça supposé gagner élection. Donc nous vient demander l'état pour permettre que commune ça capable bien structure qui mette base pour aller en élection même à toute notre commune. Parce que pas gagne petite commune. Pas une commune, toute commune c'est commune. Et Jérémy, c'est ancienne commune qui a contrôlé Mafran. Jusqu'à présent, taxe Mafran, pas capable, Jérémy toujours. Akaye, c'était commune qui a contrôlé Montoui. Jusqu'à présent, taxe Montoui, pas capable, Akaye toujours. Donc c'est, on perd pour toute commune ça. Commune ça, depuis le créé, seulement créé sous papier, par un décret, et que nous, et 5 août 2015. Jusqu'à présent, commune ça pas une pièce structure, pas une pièce instance dans la tête qui a dirigé. Et ça fait que il y a un pile de problèmes dans la zone ça. Si les gens qui sont dans la zone ça, pas des responsables, je dis à un pile de gens par rapport à la communauté sous compte. Je dis à la communauté sous compte, vous impliquer dans la zone ça, entrer dans la zone ça. Les gens ne pas accepter. Et on dit 4, bon exemple concret, 4 fêtes là pour renouveler, 6 nouvelles communes ça, pas un bureau ni la caillou. Et Mounio dit qu'il va faire 4 ans de l'autre côté. Par exemple, nous avons des problèmes de gain, nous avons des problèmes à Kaye, mais nous, politiquement, Mounio va faire 4 à Kaye. Il est clair sur ça. Yon semine information pendant yon semaine a déroulé dans intention médecin, infirmier, pédiatre et l'autre professionnel santé. Semine ça rentre dans le cadre formation continue, faculté médecine et pharmacie gagné pour aider personnel santé. A mercredi 24 janvier, la formation est plus centrée sous affaire dialyse. Côté responsable estimé, doué gen personnel qui ka répond à demande de monde qui malade nan rien. Nous invitons à suivre un reportage, Marie-Jolie, à présenter nous. Docteur Odi Metayen, qui est responsable de dialyse dans l'hôpital général, a expliqué qu'il a pris l'initiative d'organiser la formation. Ça, c'est à cause qu'il a remarqué qu'il y a plus de monde qui a fait dialyse dans l'hôpital. L'initiative, ça, pour aider l'hôpital, à la population plus de services. C'est une activité qui est organisée par 3 groupes, c'est-à-dire la pédiatrie, avec la néphrologue et pédiatrique Dr Exantus, et la Société internationale de néphrologie, qui est représentée par Stefano, qui l'a, et puis le centre de dialyse de l'hôpital général, que moi responsable. Nous, c'est une première activité de ce genre réalisée dans le pays, hein, parce que nous constatons qu'il y a un intérêt de plus en plus qu'à développer pour la prise en charge des maladies rénales. Et puisque actuellement, et dans le monde, la Société internationale de néphrologie, la prôner que d'ici 2025, pour que pas gagner monde encore cap mourir de insuffisance rénale aiguë, nous voulons emboîter le pas. Et puisque pays nous en avons pris le problème de formation dans certains domaines, dans le domaine ça, eh bien nous organiser un cours de formation justement avec les pédiatres, les internistes, les résidents en médecine interne, enfin si monde qui a formé pour devenir interniste, et les résidents en pédiatrie. En plus, les infirmières, car la dialyse, c'est un engagement infirmier aussi à plus de 70%. Et nous espérons que la formation ça, lui a permis au pays, à une équipe de sensibiliser et comprendre aussi que il y a des compétences qu'a préparées pour permettre à décideurs de prendre des décisions pour faire et prendre en charge les gens qui ont des problèmes rénaux que les gens qui sont prêts. Justement pour être au service de cette affaire. Docteur Judith Exantus, en fait qu'on est problème rien attaquer grand monde, petit monde. Il y a une situation qui mérite plus d'encadrement, bon côté autorité responsable. Petit monde, trop souvent négligé parce que l'anti monde a un problème dialyse,
li besoin rapidement pour nous sauver la ville en général parents tout comprendre que ti moun pral mouri donc li lè li temps pour ti moun pas mourir parce que besoin dialyser en aigu et après ça en chronique faut que nous capable faire parce que tout le monde gagne droit à la vie si nous parler de hémodialyse c'est même j'avais quoi grand monde au moins 3 fois par semaine mais il doit on le problème aigu que le gagne même si tu en chronique et puis qu'on a la vie gagne trop tension trop ou il prend trop de l'eau donc il est enflé en pile le ça 3 fois par semaine grand 4 fois 5 fois par semaine grand dialyse même chaque jour dialyse péritonéale lui-même c'est chaque jour qu'on fait docteur Audi Métayer mandé ministère santé publique à population plus moyens pour former personnel santé qui n'a domaine ni an. Dans l'actualité culturelle non pour jeudi, dans le cadre de 12e édition Pape Jazz pour série atelier qu'a fait dans Focal jeudi 25 janvier, jeunes et apprentis musiciens qui étaient inscrits ont eu la possibilité de travailler sous l'obédience pianiste Giuseppe Miassi et pianiste Amari. Une série de travail qui était chita pour pifotant sous technique arrangement, composition et harmonie. Nous invitons à suivre un extrait. Qui ont un niveau extraordinaire et qui se connaissent. Et qui peuvent se permettre de pouvoir jouer ouvert, c'est compréhensible. Et ça peut être subtil parce que le trio de Keith Jarrett, le trio des standards, il y a quand même cette notion de swing, ça, on arrive quand même à voir où ils vont, mais c'est vrai que c'est pas 1, 2, 3. Quand vous écoutez le trio standard de Keith Jarrett, c'est pas 1, 2, 3, 4, et on part tous en même temps, ça peut être le cas, mais des fois c'est juste Keith Jarrett qui part tout seul sur une intro, puis d'un coup Jack DeJohnette il rajoute 2, 3 coups de cymbales. Gary Picot qui commence à rentrer deux notes et bam, et en fait tout ça se lit. Eh bien, messieurs, dames, c'est là après on pose dans le journal là. Nous invitons à être branchés, nous retournons dans un petit moment. L'autre information dans le journal ça, Genio gagne rendez-vous vendredi 26 janvier à TNH pour un programme spécial qui est baptisé Carnaval de la jeunesse. Programme ça a réalisé dans émission à la recherche des étoiles. Initiative activité ça, Jean-Claude Lazare avec Barry plus explication. Dans le micro, Jean-Ritson Sergile avec Bernard Marseille. Nous invitons au Jeune yo gen rendez-vous vendredi 26 janvier à TNH puis un programme spécial qui baptisé Carnaval de la jeunesse. Programme simple réalisé dans émission à la recherche des étoiles. À la recherche des étoiles Cap Bali, Cap permet un jeune garçon à une jeune fille qui pas gen chance pour jouer un char, qui pas gen chance pour aller performer l'autre côté. Dans le TNH, nous toujours préparé à ce que pour une belle jeunesse la service. C'est ça que nous là aujourd'hui. Nous avons préparé le terrain, nous avons préparé beaucoup de choses pour l'après-midi. Nous pensons que quel que soit côté mon nom, il a bien arrivé dans le TNH pour une fête de carnaval la veine, qui est le carnaval de la jeunesse. L'initiative, ça, c'est sous demande du directeur général là, qui dit qu'il faut toujours faire bataille pour permettre aux jeunes d'intégrer, quel que soit à côté de sorti. Après-midi, on va voir des jeunes qui ont performé, qui ont sorti Cité Soleil, qui ont sorti Delma 2, Delma 4, Pétionville, dans des villes de province, parce que nous-mêmes, nous disons feuille de route qui est le gouvernement, ben nous. Pour nous travailler là, nous supposons respecter à la lettre, permettre tout le monde de jouer une chanson dans la télévision nationale d'Haïti. Et ça fait nous dire que nous lançons le carnaval de la jeunesse, nous avons quitté l'espace là disponible pour quel que soit un groupe jeune qui a envie de shooter vidéo, qui pour qu'on joue l'espace, côté puis allemand de toucher pour payer. Nous même nous ne pouvons pas personne payer un goût pour shooter vidéo dans le décor de la télévision nationale. La Jovenel Moïse qui vient avec première dame non Martine Moïse rencontrée vendredi 26 janvier à Pape François dans le Vatican. Chef d'État qui trouve dans le pays d'Italie depuis mercredi a bien pour rencontrer après-midi à Tokay italien. Toute commission permanente est déjà formée dans le Sénat République là. Il y a une nouvelle commission spéciale qui est formée dans groupe. Commission bicamérale des charges, la commission sous amendement, règlement intérieur Sénat.
processus choix cours pour première session année académique 2018 là a commencé dans faculté des sciences humaines, je conseil coordination faculté à des prévoir là. Processus là déroulé en présence agent CIMO dans l'espace faculté.